Yo mes petits bambis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA Online et je vais vous parler d'un véhicule qui a certainement été oublié ou vous l'avez peut-être déjà croisé sur la map et vous ne l'apercevez plus, que ce soit sur le shop, je sais même pas s'il y a déjà été sur le téléphone ou autre, mais je vais vous le montrer. Je l'ai là-bas sur la carte, vous voyez l'emplacement du véhicule. Il est déjà modé tout ça, mais on va se promener un petit peu sur la carte. Et je vais vous faire deviner tout au long de la vidéo c'est quel véhicule. D'une, c'est une américaine. Elle est dans le film Fast and Furious, le 6. Et elle est dans le Cars. Elle est dans le film Cars. Donc je vous laisse deviner. En attendant, on va aller juste à l'emplacement où on peut la trouver. Attendez, que j'ai pas la carte, donc on va passer par là-bas. Donc il y a plusieurs emplacements possibles, hein, mais avec la team, avec les joueurs avec laquelle je joue pratiquement tous les soirs à GTA, on l'a trouvé à l'endroit que je vais vous montrer, mais elle est disponible dans le désert, au port. Donc ça peut vous donner un autre indice. Au port, quand je dis port, c'est les docks, c'est en bas de la carte. Donc je vais vous montrer, c'est juste là-bas. Donc vous pouvez la trouver ici, sur les docks, ou en haut dans le désert par ici. Au niveau de la prison, là, tout ce qui est cette zone-là, Trevor, même un peu plus haut, je dirais aller jusqu'à la limite de l'eau, partout dans le désert, là, tout ici, vous pouvez la trouver. Voilà. Tout ici, sur l'autoroute surtout. Mais je vais vous donner une astuce que nous on a utilisée. C'est dès qu'il y en a un qui la chope, qui tourne dans la map avec, ou sur les routes, sur les grands axes, et ça va en faire spawn plusieurs. Donc là on y va tout doucement. Le PNJ, tu dégages. Donc je vais vous montrer. Hein, je vais vous montrer. Donc on va juste passer par là. Vous m'excuserez si vous entendez le ventilo juste derrière moi. C'est parce qu'à l'heure où je vous tourne la vidéo, il fait assez chaud chez moi. Donc voilà. C'est pour ça. Donc on va passer là ici. Donc vous allez peut-être voir une sultane, mais c'est pas la sultane dans laquelle je parle. Elle est disponible dans Carve et dans Fast and Furious, mais c'est pas celle-ci, c'est une autre voiture. Donc voilà. Donc, nous on l'a trouvé ici. Attendez, je vais vous montrer. Donc, là voilà. Tout ce que j'espère, c'est qu'on n'entend pas fort le ventilo. Donc, sinon je devrais recommencer la vidéo. Donc je l'ai trouvé, bah on l'a trouvé en premier. C'est un gars de ma team qui l'a trouvé. C'est pas moi qui ai fait la team, hein. Je dis la team c'est parce que c'est un groupe de potes, on se retrouve tous les soirs. Donc on l'a trouvé sur l'axe routier ici, sur la 4 voies. Donc je vais vous la montrer juste après. Je vais juste faire un test, voir si on entend fort le ventilo ou pas avant de continuer. Donc je vous reprends, j'ai coupé le ventilo parce que j'ai écouté, ça faisait un léger bruit de fond. Donc en espérant que ça aille beaucoup mieux, comme vous pouvez le voir, le temps a changé parce que le temps que j'allais le voir dans la galerie de la Play, ben, le jeu s'est coupé. Du coup ben, j'ai dû reprendre la voiture, la même voiture, pour éviter que ça fasse trop drôle à la vidéo. J'ai galéré en trouver une, j'ai dû attendre de passer la nuit. Donc bref, bon. Trêve de plaisanterie, on va aller voir le véhicule. Tout d'abord on va passer par là-bas, on va rouler tranquille. On va rouler tranquille, hop. On va aller chercher. Voilà, hop. On essaie de rouler bien
Après, malgré tout, fait pas très chaud. Fait pas très chaud. Voilà. Il veut pas la mettre? Ah, si. Mais bon. Mais pourquoi il la met pas? Pourquoi il me la met pas alors que je roule doucement? Faut être littéralement à l'arrêt? Ok, allez, c'est bon. C'est bon. Excusez-moi le petit bruit de fond, c'est le téléphone qui est tombé contre la télécommande. C'est pas grave. Allez, toi tu avances le PNJ, merci. Donc, on va aller chercher le véhicule. On se mettra en première personne arrivée là-bas. C'est pas grave, je l'ai pas vu. Je regardais mon téléphone. Voilà pourquoi pas le téléphone au volant. Vous comprenez mieux pourquoi. On fait des accidents, même sur les jeux. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, il est garé juste là. Vous le voyez au loin. Vous le voyez au loin. Vous le voyez de plus près. Vous le voyez encore de plus près. Et comme vous pouvez le voir, c'est la Phoenix. Donc c'était le véhicule rouge de Fast and Furious de Dominic Toretto dans Fast and Furious 6 quand il fait la course contre Mia. Et la voiture bleue de Cars, je sais plus c'est quoi son nom, mais voilà. Donc elle est modée, hein. Le jaune c'est pas du jaune du LS, le bleu c'est pareil, le jaune c'est du pur c'est du Secret Gold, les jaunes c'est du pur white, et le bleu je ne saurais vous le dire, ce n'est pas moi qui a fait la couleur. Et les vitres sont vertes, donc on va aller faire un petit tour comme ça, on va regarder l'intérieur, voilà. On peut demander peut-être d'ouvrir le capot si ça marche. Voilà. Regarde un petit peu ce que ça donne. Regarde un petit peu ce que ça donne. Voilà le genre de véhicule. J'ai essayé de faire un modage sobre avec les couleurs qui passaient bien avec la voiture. Au niveau du coffre, c'est simple. Il y a assez pour mettre une valise de madame ou même son corps, comme vous voulez. Et c'est une blague, bien sûr. Donc voilà. On va aller tester le véhicule. Je vais juste remettre. Comment on fait véhicule, celui-là. Je vais juste remettre tous les portes ouvertes. Ok. Voilà. Là. Allez. Hop. Mais pourquoi il frappe dedans? Bah, handicapé. On t'en veut pas. T'as cassé le bolide, mais c'est pas grave. Du coup, la porte, elle est buggée. Bon, on sait rien. Et ça gênera peu pour les tests qu'on va faire. Donc là, on va aller sur le parking. Déjà, je vais vous montrer. Comme vous pouvez le voir, elle a une bonne accélération. Elle a une bonne tenue. Elle a une bonne tenue de route. Regardez, on peut drifter facile, hein. J'arrive pas à tenir les drifts. Donc du coup voilà, mais on peut la faire partir facile sur le côté. Voilà. On peut aussi faire ça. Attendez. Parce que je vais réussir. Voilà, donc elle s'élève. On peut lui mettre la barre anti-roulis derrière. Regardez. Elle roule assez vite. Voilà, donc elle roule assez vite. La limousine qui pop juste devant. Oups. Donc là je vais aller vous montrer. Normalement si on va sur l'autoroute, des Phoenix vont spawner. Donc ceux qui veulent, vous mettez un commentaire sur la vidéo et je peux vous la donner, ou je peux venir dans vos sessions pour vous en faire spawner une. Il n'y a pas de souci. Donc vous me le dites juste, bah, vous mettez un commentaire. Soit vous me passez votre PSN directement parce que je suis sur PlayStation. Donc vous passez votre PSN, je vous ajoute, je vous envoie un message et je vous la file, ou je vous aide en avoir une. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là on va aller voir.
Normalement, il y a des phoenix qui devraient spawn. On va rouler un petit peu. Des phoenix qui devraient spawner. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que vous allez jusqu'au panneau et vous faites demi-tour. Vous voyez? Faites ça. Ce qui est bien pour ceux qui émergent, c'est que c'est une deux tons. Je vais bien enlever une. Donc voilà. Et bien sûr, ça va me faire mentir, il n'y en a pas qui vont spawner. Donc là, vous faites ça. Et vous faites ça jusqu'à temps qu'il y en a qui spawn. Ou après vous allez au marais. Il n'y a pas d'heure précise. Hein. C'est pour ça que c'est un véhicule assez compliqué à trouver. Et pourquoi je vous ai dit au marais au port, quoi, vous m'avez compris. Comme je vous ai dit en début de vidéo. Au port. Au port, au dock, n'importe, ça dépend comment vous appelez ça. Bon, là, il n'y en a pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre au dock où je vous reprends dès qu'il y en a une. Donc, je vous montre bien, je suis resté sur solo. Je vais tourner, je vous reprends dès qu'il y en a une qui spawn. Bon, après avoir tourné plus de 20 minutes sur l'autoroute, hein, toujours pas. On va aller au port. Au port conteneur, excusez-moi. Enfin, je vais jamais initier avec ce blaze. Oh, j'ai eu une perte de contrôle. Si vraiment il n'y en a pas là, c'est vraiment qu'on a eu un coup de bol en choper 4 en moins de 10 minutes. C'est vraiment qu'on a eu un coup de bol en choper 4 en moins de 10 minutes. Comme vous voyez, elle encaisse bien les chocs, elle a pas été déformée tant que ça. Bon, on va essayer de passer par ici. On va essayer de passer par ici. Bon, c'est chaud. Quand on coupe le ventilo, ça fait droit. Des couteaux. Il n'y en a pas là non plus. Et on n'est toujours pas. Il n'y en a pas là non plus. Ta gueule les camions. Ta gueule les camions. Je fais le tour. Mais c'est bizarre. Hein. C'est bizarre. Bon, on va essayer de faire un tour vite fait. Et si on n'en trouve pas, c'est vraiment qu'on a eu du bol.
Donc n'hésitez pas, à ceux qui le veulent, vraiment, je vous le donne directement. Et après, vous en faites ce que vous voulez. Vous en faites ce que vous voulez. On va aller voir en vitesse sur les places de parking. Il n'y a rien non plus ici. Et il n'y en a pas non plus ici. Donc les petits potes, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Activez la cloche de notification. Et n'hésitez pas à venir en commentaire pour que je vous donne le véhicule. Ou pour que je vous aide, ou même vous donner d'autres véhicules, hein, si vous voulez un room tour de mes garages, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et je me ferai un plaisir de vous tourner la vidéo. Allez, sur ce, je vous dis ciao, et bon jeu à vous.